saute par Edmond Rostand. Dans les parfumements soyeux des cheveux d'or, et parmi les blancheurs des coussins, toutes blanches, ayant clos pour cent ans ses grands yeux de pervenche, souriant vaguement à son rêve, elle dort. Sa tête de côté légèrement se penche. Un vitrail entr'ouvert laisse voir le décor du parc où les oiseaux ne chantent pas encore, car la fée endormit chacun d'eux sur sa branche. Au pied du lit sommeille un beau page blondin. Elle dort immobile en son vertu gadin, sa jupe laissant voir un bout de sa babouche. Toute rose, elle dort son sommeil ingénu, car le prince charmant n'est pas encore venu, qui doit la réveiller d'un baiser sur la bouche. Mais le voici venir, svelte en son grand manteau, avec sa toque à plumes et sa moustache blonde. Il s'avance, étonné de voir que tout le monde dort d'un profond sommeil en l'étrange château. Il appelle sans qu'un écuyer lui réponde. À ses devants ne vient pas un seul damoiseau. Mais soudain, il la voit qui dort comme un oiseau, laissant tomber sa tête. Une douceur l'inonde. Et tout troublé devant ce sommeil ravissant, charmé, sans bien comprendre encore ce qu'il sent, il s'arrête un moment et sourit dans sa fraise. Puis il avance à pas furtifs et vient poser doucement un très long et très chaste baiser sur cette bouche aussi mignarde qu'une fraise. Alors, ce fut la fin du long enchantement. Sur la cour, il cessa tout d'un coup de s'étendre. Un grand bruit de réveil au loin se fit entendre et la princesse ouvrit ses beaux yeux lentement. Sans s'étonner, avec un sourire très tendre, peut-être ayant déjà vu le prince en dormant, elle le reconnut et dit tout simplement « C'est vous, monsieur, pourquoi vous êtes fait attendre ?» C'est ainsi, quand l'amour rêvé nous laisse voir celui qu'on attendait vaguement, sans savoir, on s'éveille, les mains tout simplement s'unissent, comme après un sommeil de 100 ans, on renaît, puis l'on se dit, c'est vous, et l'on se reconnaît, le vrai bonheur commence et les rêves finissent.